écoutez, il nous vient chercher, il nous vient savoir et nous solider avec le peuple français. Et nous condamne les terroristes et nous solidaire pour qu'il y ait un combat contre les terroristes, pour mettre au moins un frein à ça. Nous sommes solidaires avec le peuple français pendant ces moments très difficiles. Et ces attaques touchent au concept et au principe de valeur que représente la France, égalité, fraternité. Et j'ai voulu être présente pour la signature de ce livre de condoléances parce que la France est un pays ami et avec ce pays, nous partageons 300 ans d'histoire. Alors, c'est très important d'être présente aujourd'hui à l'ambassade de France. Oui, effectivement, l'île Maurice, le pays est en deuil, mais aussi les Mauriciens sont en deuil. C'est un choc que chaque Mauricien a ressenti dans son propre, dans son fort intérieur. Les relations entre Maurice et la France sont extrêmement chaleureuses, extrêmement cordiales, très très proches. Et Maurice, dans le message qu'on a donné au gouvernement français, c'est principalement que Maurice se tient aux côtés de l'État français, du peuple français dans ces moments difficiles. Et que la France peut compter sur l'île Maurice comme un ami de toujours et qui sera là toujours. On exprime à nouveau ma solidarité totale et fraternelle avec le président de la République française et le peuple de France. Et m'a convaincu que la France peut sortir plus forte encore de sa bande d'épreuves. C'est impensable que vous fassiez ces bandes humains et qu'on fait un acte barbare pareil. Et on exprime votre solidarité avec le gouvernement et le peuple français dans ces moments de tristesse et de douleur. Je remercie nos amis mauriciens qui ont partagé ce moment avec nous. Je crois que c'était important que nous puissions être réunis ici à l'ambassade et dans d'autres endroits à Maurice pour exprimer notre solidarité avec les Français qui en ce moment observent une minute de silence en France en hommage aux victimes des actes terroristes de vendredi. Je crois que nous avons tous été abasourdis, bouleversés par les événements tragiques de vendredi. Et je crois que pour nous tous ici, ce déchaînement de haine, de violence, de barbarie est quelque chose d'inimaginable. Et je crois que les condamnations qui sont venues partout, de partout dans le monde, montrent que partout, ces actes sont effectivement perçus comme inimaginables, comme insupportables, comme injustifiables. This attack against France was an attack against all of us. France has stood with us from our very beginning, and we will stand with France, and our values of liberty and freedom will prevail against people who just talk about hate and destruction. They will not prevail. The world wants peace, the world wants freedom. And we are with France today. We sincerely condemn the barbaric acts of terrorism and the attacks which happened in Paris. The world needs to unite and fight them all so that the peace prevails. May God bless France. Especially we in Russia, we are very well aware of these terrible sort of tragedies. Just recently, you remember that 2 weeks ago, we had a tragic accident in the air, which probably was also a terrorist act. We strongly condemn any form of terrorism, and we assure that only together, the whole world, we can fight this evil of the modern time.
or we in India, in fact, have really very strongly condemned this act of mindless terrorism which occurred in Paris, resulting in deaths of so many innocent people, in fact. India and people of India stand with the government and people of France in this difficult time, and we call upon the entire world community to come together to defeat this madness. Je suis profondément touché par tout ça. Je ne comprends pas comment, en tant qu'être humain, on peut infliger ce genre de souffrance. Ça n'a pas... C'est incompréhensible. C'est tout ce que je peux dire, c'est incompréhensible. Nous sommes en vacances pour un mois à Maurice et nous avons appris le drame qui s'est effectué, enfin qui s'est passé dans Paris. Donc, par solidarité, nous pensions venir signer à l'ambassade de France un registre pour présenter nos condoléances au peuple français qui a été touché dans sa chair, parce que c'est quand même pas tellement normal ce qui est arrivé. Surtout ça a touché, bien sûr ça a touché des adultes, mais surtout dans un concert de rock où on sait qu'il y a énormément de jeunesse. Et moi je trouve que c'est lamentable et on est un peu écœuré, et on doit dire ça nous a, nous en vacances, ça nous a quand même frustrés, enfin je veux dire ça nous a quand même, on compatit beaucoup avec tous ces gens-là, tous ces gens qui se trouvent en France et qui portent le deuil de la perte d'un de leurs proches.